Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien, c'est Valash. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme promis, c'est ce que je vous avais dit, on va ouvrir le kit du dresseur. Alors attendez, parce que la caméra est un peu haute là je trouve. Là, comme ça ce sera mieux. Donc du kit du dresseur de Pokémon Soleil et Lune, donc Alola. Là on a joué avec ce deck online, ok, attrapez-les tous, Lugarok, Raichu d'Alola, d'accord, tout va bien. Kit d'apprentissage pour deux joueurs, facile à apprendre, facile à jouer. Moi c'est pour collectionner, je crois que ça marche quand même ou pas? On verra bien. Un moyen facile d'apprendre à jouer, ok, ça par contre je vous laisse lire, parce que là il y a vraiment trop de trucs à lire. Ok, le kit du dresseur contient deux decks de 30 cartes contenant chacune une carte brillante spéciale. Donc c'est la carte holo quoi. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Deux guides de jeu pour apprendre à jouer carte par carte, pas à pas. Ça doit être très long quand même. Quand même. Hein? J'en étais où là? Un tapis de jeu pour deux joueurs avec des conseils précieux et les règles du jeu. Ok. Des marqueurs de dégâts et des états spéciaux. Une pièce avec un design Pokémon sympa. Un étui illustré pour ranger vos nouvelles cartes et une carte à code pour le JCC Pokémon Online. Suivez l'actualité du JCC Pokémon Online www.pokemon.fr. Ouais. Pardon. Alors, bon, on va s'ouvrir ça tout de suite. Alors, par contre, j'aimerais bien conserver la... Au moins le dessus. Au moins le dessus, ouais. Après, le reste, je m'en fous un petit peu. Ok. Alors, on va voir ça ensemble. Comment ça se présente. La boîte est vide. Il n'y a plus rien. Je vais me mettre ça sur le côté. Alors. Qu'est-ce que nous avons là? Oh, une boîte. Au moins, ça pourra compléter les boîtes que j'ai là. Attends. Petit pivotage de la caméra. Pouh ! Voilà. Là, j'ai deux boîtes, donc ça pourra compléter un petit peu. On se remet. Ok. Donc, à l'effigie de Raichu d'Alola et de Lugarok, forme nocturne. Dakodak. Tac. Je la monte en même temps avec vous. Hein. Et voilà. Une jolie petite boîte. En fait, cette boîte-là, c'est comme les boîtes que j'ai là à l'effigie de... vous savez, quand on achète les decks, quand, ben là, justement, là, j'ai fait l'Inferno en face de moi, quand il y avait les decks fait l'Inferno, Oratoria et Archéduc, dans ces decks-là, vous aviez justement les petites boîtes. Donc là, du coup, j'ai une petite boîte comme ça. Elle est trop mignonne. Ok. Mais dès qu'il y en avait deux, elle est où l'autre? À la recherche de la boîte perdue. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bah, il disait bien qu'il y avait deux boîtes. Un tapis, des marqueurs, une pièce, un étui illustré pour ranger. Ah non, c'est un étui illustré pour ranger vos nouvelles cartes. Pardon, en fait, il n'y en a qu'un. Mais vu que c'est pour deux joueurs, ils auraient pu faire deux étuis, ils sont à moitié bêtes. Du coup, ça fait qu'il va falloir que je choisisse entre Raichu Lola que j'apprécie beaucoup et Lugarok que j'apprécie beaucoup aussi. Bon, bah, vu qu'il y a Pikachu, ce sera Raichu Lola. Voilà, hop, il est déjà à sa petite place. Parfait. Les points de dégâts, ben moi de toute façon, hein, je vais les jeter directement parce que moi, je m'en sers pas du tout. Ok, ensuite là, je sais pas si je vais avoir assez de place sur le bureau là par contre. C'est pour ce grand machin là, ça va être le tapis de jeu je pense. Donc là, on a les règles. Ok, hé, hey, vous voyez avant moi, vous avez pas le droit. Non, non, non. Hein. Oh, c'est joli. Donc là, vous avez tout ce qui est au niveau des règles. C'est à l'endroit au moins. Ouais, toutes les règles qui sont là. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? Trop de trucs. Ok. Et du coup, le tapis de jeu. Ouais. On a vu mieux quand même. Hein. Donc là, on a le Raichu. Qui est là avec... si je vois bien, vous voyez ma petite tête qui est là. Coucou. Pardon. Togi Demaru. Et à côté, on va avoir... à chaque fois, j'oublie son nom. Mais oui, j'ai pas encore ouvert ton coffret, mon coco. Donc... Chelours, voilà. Et ensuite, on va avoir ici, qu'est-ce qu'on va avoir comme Pokémon? On va avoir, ah, attends, est-ce qu'on voit pas tout? Là, donc le Lugarok forme nocturne avec, c'est quoi? C'est
Rocabo que je vois, je crois. Et Picasso, c'est ça? Ouais, c'est ça. Rocabo et Picasso. Ok. Donc voilà. Bon, il n'est pas tip-top, hein. Franchement, ils auraient pu faire mieux. Le code, par contre, je vais être radin cette fois-ci. Je le garde pour moi. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, Pokémon.fr. Ok. C'est quoi? C'est un petit fascicule? Ouais, c'est ça. C'est pour quoi faire? Kit du dresseur deck Raichu d'Alola. Ok, en fait, c'est pour te dire comment tu vas utiliser tes cartes. Mais ça nous dit les cartes qu'on a dedans, en fait. Ah, on lit pas. Non, ça va nous dire ce qu'on a dedans. Quelle horreur. Ok, commencez ici. Ne mélangez pas les decks. Ils sont prêts à l'emploi. Chaque joueur prend un deck et le guide, pardon, correspondant son Lugarok, soit Lugarok, soit Raichu d'Alola. J'ai du mal, hein. Suivez les instructions de votre guide pour jouer. Il vous indiquera exactement la marche à suivre. Maintenant que vous avez joué, vous pouvez remettre le deck dans l'ordre, les échanger et rejouer. Mélanger vos decks et rejouer sans utiliser le guide. Et ensuite, on a regroupé les deux decks pour créer un deck de 60 cartes et jouer contre un adversaire ayant également un deck de 60 cartes. Dans ce cas, n'oubliez pas d'utiliser 6 cartes récompenses au lieu de 3. Voilà. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui jouent à Pokémon GCC, surtout n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'y joue pas du tout. Franchement, j'y jouais en cours de récréation quand j'étais en primaire. Mais ben, je me faisais tout le temps battre par Donovan Baudouin, d'ailleurs, je me rappelle très bien celui-là. Il me battait tout le temps, que ce soit au Pokémon, au Yu-Gi-Oh! Il me battait à tout, à tout! Du coup, ben, j'ai arrêté, il m'a déprimé. Donc, j'ai arrêté. Non, je rigole. Ok, donc là, on a les decks. Et là, on a le petit Pog. Moi, j'appelle ça des Pog. Eux, ils ont appelé ça comment? Ils ont appelé ça une pièce. Ils appellent ça une pièce. Ok, moi, j'appelle ça un petit Pog. Ça me fait penser au Pog. Voilà, tout simplement. Donc, c'est une petite pièce. Ah, pour vous donner une idée à quoi ressemble un Pog, là, j'en ai là, des Pog. C'est des Pog à l'effigie de Disney, donc là, c'est Zootopie. Voilà, la différence en fait. Donc, ça, ils appellent ça une pièce et moi, j'appelle ça un Pog. Mais en fait, je pense que ouais, c'est pour savoir qui commence, etc. Vous savez, on fait hop là! Il s'est rangé tout seul, c'est très bien. Donc, voilà, la petite pièce, du coup, on va l'appeler comme ça. Et qui brille, qui est vraiment très très jolie, moi, j'adore. Je surkiffe. Ok, donc elle va aller à côté de Pikachu qui est juste ici. Alors, on commence par qui? Lugarok ou Raichu? Lugarok ou Raichu? Dites-moi tout. Lugarok, Raichu, Raichu, Lugarok, Lugarok, Raichu, Raichu, Lugarok. Eh, vous savez quoi? On va lancer la pièce. Si ça tombe sur Raichu, on fait Raichu. Si ça tombe sur le côté Pokémon, on fait Lugarok. On fait ça? Et je fais ça devant vous, hein, sans tricher. Ah ben on a Raichu. Voilà, je suis en train de tout casser sur le bureau. C'est abusé comment, hein, j'ai vraiment pas de place. Donc on va faire Raichu. Ok, c'est parti. Alors par contre, les petits sleeves. À l'effigie, comme je vous ai dit l'autre jour, de. Ouais, je balance tout. À l'effigie de Thug Life. Oh, j'ai une tête de merde là. Pardon, à l'effigie du coup du film. C'est quoi Pokémon Card Game? Non, c'est même pas marqué dessus. J'ai pas été regarder le nom du film. Je sais plus. Je crois que c'est Choisis-moi ou un truc comme ça. L'avant-première est à la Japan Expo le jeudi d'ailleurs, au premier jour. Et ben moi j'ai pas pu y aller parce que je travaillais jusqu'au samedi. Ah non, attendez, bougez pas, je reviens. Vous rentrez déjà, je suis en train de faire une vidéo. Moi. T'as vu mon nouveau t-shirt? Maman? Il est beau? Eh oh, tu te calmes, Moro. Bref, silence, je fais une vidéo. Vous êtes arrivé en plein milieu. Excusez-moi. Allez, on se retrouve. C'est reparti. Alors, attends, parce que là, j'ai vraiment pas de place sur le truc. Donc,
Le Raichu, tout de suite de Raichu d'Alola. Ok. Oh, le Pikachu, il est trop mignon. Il est trop choupinou. Ah, j'adore, il est trop chou. Je vous le montre bien. J'adore, il est trop mignon. C'est trop bien. Avec les petites fleurs, il se frotte les petites joues. Ah, j'adore. Ok. Énergie obscure. Eh, vous voyez, par contre, ça je savais pas, j'ai jamais fait gaffe sur les decks. Mais même les énergies sont numérotées. D'accord. Énergie, énergie. Togedemaru. Ok. Super Ball. Énergie. Spectre, je crois. Psy. Ouais, je sais plus. Tili. Soporifique. Super Ball. Énergie. Tili. Chelours. Raichu. Est-ce que c'est la même? Ouais, c'est la même. Mais elle est trop belle là. Franchement, je préfère en holo, hein. Je fais vraiment attention à pas l'abîmer. Parce qu'elle est super jolie en holographique. Mais elle a de la classe, elle a de la gueule aussi comme ça en classique. Franchement, ça, ils ont de la gueule ces cartes. Je la mets là. Larvibule. On va avoir une potion. Un autre petit Pikachu. J'adore, ils sont trop mignons. Piafabec, on va avoir l'énergie électrique, Nosferati, énergie électrique, 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 Nosferalto, électrique, Nounourson, électrique, 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 électrique. Ok. J'adore. Bon, voilà un petit peu ce qu'on a eu que moi, franchement, je garde en fait. D'ailleurs, je vais la mettre tout de suite. Enfin, je vais la mettre. Parce qu'il n'y en a qu'une. Hop. Voilà. Super joli. J'adore. Je suis super content. Je suis heureux. Elle est trop jolie. C'est super. Franchement, génial. Rien à redire. Ok. On continue avec le deck. Du coup, ça va être le deck de Lugarok. J'ai baissé d'un ton là d'un coup. Hein. Dites-moi si vous préférez quand je parle comme ça ou si vous préférez quand je parle vraiment en train de crier, etc. Je ne sais pas du tout. Je sais pas, moi je fais mes vidéos, je sais pas si je dois parler fort ou pas, vu que j'ai le micro à côté, en plus, je vais vous péter les oreilles. Excusez-moi du bruit pour le petit truc là. Ok, on est reparti avec cette fois-ci le deck de Lugarok. Donc là qui est en holographique. Il est magnifique. Il est super joli. J'adore. Ok, on le mettra dans son petit sleeve après. Rokkabu. Ah, oh, la gueule qu'il a, il est magnifique. Ah, oh, j'adore, regarde. Il est magnifique comme ça. Ah ouais, alors là, franchement. Il est génial. Oh là là. Ah, oh, il est super. Il est super. Énergie combat. Malasadas Maxi. Énergie combat. Super Ball. Énergie combat. Tili, Bazookan, Super Ball, Énergie Combat, Tili, Makuhita, Énergie Combat, Lugarok, du coup, qui n'est pas holographique cette fois-ci. Voilà. On va avoir ensuite Picasso, Rokkabu, encore une fois, je le redis, hein, mais il est magnifique. Il a une posture. Brésillon, Manglouton, Passe Rouge, Énergie Combat, Énergie Combat, Énergie Combat, Énergie Combat, Énergie Combat, Énergie Combat. Picléron, énergie combat, énergie combat, énergie combat, Chenipan. Là, faut qu'on m'explique quand même. Qu'est-ce que fout Chenipan dans un deck de combat? Et en plus, il n'y a même pas Papilusion ni Chrysacier. Il n'y a même pas d'énergie plante. Il sert à rien. Après, je sais pas, hein, pour ceux qui jouent au JCC, peut-être que vous allez me dire à quoi ça sert. Peut-être que c'est pas peut-être pour le sacrifier ou j'en sais rien. Mais ça, je trouve que ça sert à rien en fait. Ça sert strictement à rien. Par contre, ouais, ils ont vraiment fait un effort pour en fait les cartes principales. Donc on va dire Lugarok et Rokkabu. Parce qu'après, les autres cartes, en fait, c'est les mêmes illustrations que dans la série Pokémon Soleil et Lune. Hein. C'est les illustrations, pardon, n'ont pas changé, à part celle-ci. Ah, attendez, je prends juste un sleeve, je le mets dedans. Ah, il ne veut pas venir. Si, c'est bon. Parfait. Il est magnifique.
vous montrer avec le Reich ou juste là. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est... Non, on va pas jouer au JCC, de toute façon je suis tout seul, donc on jouera pas au JCC. Mais non, c'est juste en fait, dites-moi en commentaire vous si vous préférez le Loup-Garrock forme nocturne ou le Raichu d'Alola. D'ailleurs qui fait du surf et l'autre qui crie à la lune. Franchement, ils sont super jolis. J'adore, franchement je suis fan des deux. Moi à choisir, je préfère le Raichu d'Alola. Voilà, à choisir. La carte est beaucoup plus jolie, la lumière reflète beaucoup mieux. En plus, il est en train de faire du surf et tout, franchement, il a trop la classe. Et lui, bah, il est en train de hurler à la lune. C'est plutôt le mec qui va nous faire chier quand on est en train de dormir, vous savez, dans la cabane juste à côté. Que là, ouais, non, là, là, il fait son bad boy. Donc moi, ça va être Raichu d'Alola. Mon préféré, voilà, je vous le dis, ça va être le Raichu d'Alola. Après, à vous de me dire en commentaire celui que vous préférez. Si la vidéo, d'ailleurs, aussi vous a plu, lâchez les pouces bleus, les commentaires, abonnez-vous. Abonnez-vous aussi sur tout ce qui est les chaînes Facebook, Twitter, et c'est tout. Parce que j'ai pas d'Instagram, etc. Enfin, je les ai, mais c'est mes comptes personnels. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, franchement, il n'y a pas de souci. Lâchez vos commentaires, lâchez les pouces bleus, je me répète encore une fois. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle aventure avec de nouvelles cartes, de nouvelles choses. Et puis voilà quoi. Bonne journée. Bye tout le monde.